Alors là, ça fait 24 heures, un peu moins de 24 heures que je suis sortie de mon hydrothérapie du côlon. Samedi, 16 heures, je suis sortie à 18 heures. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ma séance? Je suis sortie à 18 heures hier. Et je suis tombée dans les embouteillages, j'ai eu 1 heure à rentrer. En fait, j'avais vraiment hâte de rentrer, quoi. C'est quand même. Je sentais que mes intestins, ça travaillait, ça. Ça bougeait, ça faisait un peu boubou, un peu comme quand une gastro, quand on a mal digéré quelque chose, on sent que ça bouge dans les intestins et je me sentais un peu limite la nausée. J'ai des roues qui sortaient, les gaz qui continuaient à sortir par les roues, vraiment, ça m'impressionnait de voir à quel point je pouvais avoir des gaz qui étaient bloqués et juste le fait de faire l'hydrothérapie juste au niveau du côlon, ça a pu. Ben, ça. Je pense que ça a fait que ça a pu remettre un peu plus en circulation, ça a bougé les choses en fait, ça a remis en circulation les choses dans les intestins et du coup ça a libéré encore d'autres gaz que j'avais encore qui sont sortis en plus par en haut. Et j'avais continué à avoir des gaz qui sortaient par en bas aussi. Donc il y avait ça. J'étais quand même assez fatiguée quand je suis rentrée chez moi, je me suis couchée plus tôt, j'avais prévu de sortir danser. Tout en me disant, bon, ça se trouve, je ne trouve pas trop la forme, mais du coup, je ne suis pas sortie danser. J'ai vraiment, je me suis endormie très facilement, rapidement. Enfin, même, à un moment donné, j'avais envie de regarder une vidéo pour me distraire. Enfin, ça a duré 1 heure, c'était un documentaire. Et en fait, je crois que j'ai tenu même pas 15-20 minutes. J'étais trop crevée, j'ai dit, bon, allez, j'arrête, je dors. Donc, j'ai dormi. Est-ce qu'il y a des événements? Après, quand je suis retournée aux toilettes, il n'y a pas grand-chose. Pratiquement aucune matière qui est sortie, il y a d'autres gaz qui sont encore ressortis chez moi. Ça a travaillé toute la soirée, mes intestins, ils ont travaillé. Donc, ouais, j'étais un peu fatiguée de tout ça. Et donc là, donc, je crois que j'ai dit dans la vidéo précédente que j'ai repris rendez-vous pour une autre séance dans 2 semaines. Et elle m'a conseillé, je sais plus si. Pas parlé encore dans la vidéo précédente, du coup, pour la suite, elle m'a conseillé si je pouvais de jeûner encore ce soir ou éventuellement si je ne jeûnais pas de manger léger. Et elle m'a demandé si j'avais déjà jeûné. Et donc, comme j'avais déjà jeûné, elle m'a dit bah, si je peux également de jeûner le lendemain, aujourd'hui. Et donc, je dis bon, ben, je vais suivre ses conseils et puis ça sera vraiment, c'est vraiment une occasion, tout ça, de nettoyer un peu mes intestins et mon corps. Donc là, je suis en jeûne. Jusqu'à ce matin, on va dire 11 h à peu près, ça allait à peu près bien. Et après midi, jusqu'à midi, je commence à me sentir de plus en plus faible. Mais enfin, ça va, je peux quand même bouger et tout ça, mais je sens que j'ai plus de difficultés à me mouvoir, on va dire. Et donc, il fallait que j'aille faire des courses, donc il fallait que je sois au magasin. Je sentais quand même le fait de conduire, bah, mes muscles étaient sollicités et bah, les muscles des jambes, même je pouvais accélérer, freiner. C'était un peu plus, ça me demandait plus d'énergie, c'était un peu plus difficile. Donc je suis un peu de temps en fait depuis fin de matinée là. Je suis un peu de temps. J'ai failli manger au magasin. Je sentais, j'ai acheté des fruits exotiques, j'achète pas d'habitude, là j'ai acheté des fruits exotiques, je trouve que ça me fait du bien, j'ai senti les bonnes odeurs, ça m'attire. Donc je mangerai peut-être ça ce soir ou demain à midi. Là, je suis de temps au magasin, j'ai failli manger parce que je me sentais faible et j'étais attirée par la nourriture. Mais comme je mange, je sais, là ces derniers temps, j'essaie de manger sensoriel. Donc c'est-à-dire que je mets une certaine diversité d'aliments devant moi, je prends le temps de les sentir et de manger celui par lequel, commencer à manger celui par lequel je me sens le plus attirée au niveau de l'odorat. Donc je savais que si j'avais envie de faire ça, donc j'avais pas envie de piocher, prendre n'importe quel fruit dans ce que j'avais acheté et le manger. J'avais envie quand même de me poser. Je me suis dit, si je rentre chez moi, c'est vrai qu'il faut que je sorte toutes les courses, il faut que je mette devant moi. Et surtout que en fait, j'avais prévu de garder les courses dans mon coffre et de partir après voir mes enfants chez leur papa. Et donc du coup, je dis, bon, je ne vais pas sortir parce qu'il y a des choses, je ne vais pas tout sortir les sacs et machin. Donc ça m'a motivé à continuer le jeûne. Je dis, bon, allez, bon, ça va, mon envie est passée. Je continue le jeûne, je mangerai ce soir, ça va vite arriver. Donc là, je vais partir voir mes enfants, et puis il sera vite l'heure de manger, je mangerai ce soir.
J'avais prévu à la base, je m'étais dit si je jeûne, bah, que je jeûnerais vraiment toute la journée, que je ne mangerai que demain matin, en fait, enfin demain midi. Mais là, j'en ai marre, je me sens faible et puis voilà, je peux pas manger. Donc, je mange ce soir, sauf si vraiment je suis envie de manger ce soir, ce soir. Voilà, je suis en jeûne. Quoi dire d'autre sur mon retour de... Donc là, dans les jours qui arrivent, je vais prendre le temps de. Faut que je prenne le temps. J'arrive à prendre le temps parce que je fais plein de choses et moi, toujours, je prends pas toujours le temps de prendre soin de moi et de faire des choses. Donc là, il faut que j'arrive à prendre le temps de faire des exercices de respiration, pratiquer la technique d'EFT pour les méthodes Tipeee, pour mes émotions, pour débloquer la respiration et pour libérer mes émotions. Donc voilà, si vous avez des questions, vois pas trop tout ce que j'ai à dire. Peut-être je ferai d'autres vidéos. Sinon, je me sens ouais, au niveau de. Oui, mon ventre, je sens plus que ça circule et que ça bouge dans mon ventre là, depuis ce matin, ou enfin, peut-être un petit peu au réveil, mais sinon, la journée, ça a été mon ventre. Je sens le ventre très, très libéré, très léger. J'ai l'esprit, je me sens très calme, très posé. Même peut-être au niveau émotionnel, je me sens. Ces derniers temps, ces derniers mois, dernières semaines, ça m'arrivait souvent de penser. De me dire, parce que voilà, je suis plutôt célibataire, vraiment, je vis seule et ça me manque d'avoir quelqu'un pour faire des câlins, tout ça. Et j'y pensais plus ou moins ces derniers temps. Et là, j'avoue, je pense pas vraiment à ça. J'y pense par réflexe d'y penser, mais ma pensée accroche pas, elle se maintient pas. Et je me rends compte qu'en fait, non, je m'en fous. Enfin, je suis en mode un peu de temps, c'est pas. Voilà, toi. Genre, je suis c'est un fait, en fait, dans l'instant présent. Je suis, en fait. Je suis, tout simplement. Je suis dans l'être. Dans l'être, dans l'instant présent. Et je suis assez calme. Donc, après, je pense qu'une partie doit être due à l'hydrothérapie du côlon, une partie doit être due au fait que je jeûne, et puis une partie doit être due au fait que tout ça est fatigant et que, du coup, je suis calme. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si elles sont pertinentes et bienveillantes, bien sûr. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous tiens au courant dans les jours qui arrivent sûrement. Peut-être faire une autre vidéo pour vous dire quelques jours après comment je me sens. À bientôt, ciao ciao.